Maseret Eruvin daf dalet. On commence Bezrat Hashem daf gimel amud bet à l'avant-dernière ligne. On avait vu ce que Abaye disait, Abaye au nom de Rav Nachman qui disait que toutes les amot, toutes les mesures d'une ama que les chachamim ont données, des fois c'est 6 tfachim, des fois c'est 5 tfachim. Ça dépend du contexte. À propos de Eruvin et de Souka, il s'agit de amot petite de 5 tfachim. En ce qui concerne par contre la loi de Kilaïm, quand là-bas on donne des grandes distances pour éloigner les différentes espèces, il faudra là-bas les éloigner de Hamot, les Hamot qui ont été cités par les Chachamim. Là-bas sont des Hamot grandes de Sitfachim. Rava, il est d'accord dans le principe avec Abaye que on prend toujours la Khumra. Donc en ce qui concerne Mavoy et Souka, on donnera des petites Hamot. En ce qui concerne Kilaïm, on donnera des grandes Hamot à chaque fois pour la Khumra. Simplement, la différence, elle n'est pas aussi grande que celle qu'Abaye a donnée. C'est pas une différence d'un tefar par ama. C'est pas la question est-ce que ce sont des amotes de 5 tefarim ou de 6 tefarim. Toutes les amotes sont 6 tefarim. Simplement, la question, elle est si on fait 6 tefarim très juste ou bien large. Et ce sera ça la différence. Donc, voyons ici dans la Gemara, l'avant-dernière ligne du daf Gimel Amoudbet. Verava Mishmed Rav Nachman Amar, Kol Amot Be'ama Bachisha. Toutes les amotes que les Chachamim ont données, toujours ces 6 tefarim. Et là, Halalou Sochakot et Halalou Atsevot. Celles-ci sont larges, souriantes, donc larges. Celles-ci, les autres sont tristes, donc étroites. Ce sont des amot très, très justes, mais toujours Sitfahim. Donc je reprends. En ce qui concerne Souka et Mavoy, quand on a donné jusqu'à 20 amot, ce sont 20 petites amot. Quand on a donné 10 amot de large dans le Mavoy, par exemple, à nouveau, ce sont 10 petites amot. Plus que ça, c'est pas bon. En ce qui concerne Kilaïm, les amot qui ont été cités sont des amot larges, largement sitfahim, pas juste du sitfahim. Metive, la Gemara maintenant vient objecter. Kol amot yamru chachamim be'ama batisha. On voit clairement dans une braïta, toutes les amot qui ont été cités par les chachamim font sitfahim. Obilvad shelo yehu mechuvanot, mais attention, qu'elles ne soient pas précises. C'est-à-dire qu'on fera la différence entre Kilaïm d'une part, Mavoy et Souka de l'autre. Ou dans Kilaïm, on dira que ce sont des amotes larges. Dans Mavoy et Souka, on dira que ce sont des amotes très justes. Donc on voit ici que toutes les amotes en question sont des amotes de Sitfahim. Mishlam ale Rava, ça va bien selon Rava. Quand on a dit qu'elles ne sont pas mechuvanot, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas égales toutes les amotes, ça vient de faire la différence entre les amotes qui sont larges, halalou sochakot, qui sont donc les amotes de Kilaïm, halalou atevot sont les amotes qui sont justes, Sitfahim, qui sont la mode de Mavoy et de Souka. Et là, la Abaye Kachia. Mais selon Abaye, c'est une Kachia parce qu'Abaye lui dit, pas toutes les modes font Sitfahim, contrairement à ce qu'on voit dans la Braïta. Abaye lui dit, il y a des modes de Sitfahim, des modes de 5 Tfahim. C'est ça la différence entre Mavoy et Souka et de l'autre côté Kilaïm. Donc ici, on a une objection contre Abaye. Amar lecha Abaye, répond Abaye. Eima, il faut dire, voilà comment il faut lire dans la Braïta. Quand on nous dit toutes les modes font Sitfahim, mais elles sont pas juste Sitfahim, c'est-à-dire, ça se rapporte de l'ama de Kilaïm. Et m'a dit la Gemara, amat Kilaïm, l'ama de Kilaïm, be'ama batisha. C'est une ama de Sitfahim. Et sur ça, la Braïta nous précise, attention, ce sont pas Sitfahim tout juste, c'est Sitfahim large. Mais en réalité, ça se rapporte que sur les amas de Kilaïm. Voilà comment Abaye explique la Braïta. Donc, Abaye ici, il rentre dans un dohak dans les mots, c'est-à-dire, il résout la braïta, mais de toute façon, c'est une marloquette générale entre Abaye et Rava dans tout le chasse, où Abaye toujours, il se gêne pas de rentrer dans des difficultés dans le langage, et de dire, c'est un peu l'avdavka, quand on dit toute la motte, c'est-à-dire toute la motte de Kilaïm, mais pas toute la motte en général, et Rava toujours, il est toujours, fidèle aux mots. C'est-à-dire, ne me corrige pas les braïtot, ne me corrige pas les mishnot, ne me dis pas que c'est l'avdavka, c'est pas très précis, les chachamim voulaient dire un petit peu autrement, mais ça rentre dans les mots. Il faut pas que ça rentre dans les mots. Selon Rava, toujours ça doit sortir des mots, ça doit être clair. C'est une marloquette générale dans tout le chasse, où Rava, toujours, il se fie toujours aux mots, et Abaye, il prend sa sevara et il s'arrange après avec les braïtot et les mishnayot. Donc ici aussi, la braïta, elle nous dit, selon Abaye, la vraie elle nous dit toutes les amotes font Sitfahim. Abaye te dira non, c'est toutes les amotes de Kilaïm qui font Sitfahim. Je demande à Gemara, on continue donc dans la Gemara, Vamidektan et Sefa. Pourtant, de la Sefa de cette braïta, on voit
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Amot Shamru Chachamim Bekilaim, toutes les amotes qui ont été citées par les Chachamim à propos de Kilaim, donc des mélanges de différentes espèces, Behama Bat Shisha, il s'agit d'une ama qui fait Sitfachim. Au Bilvad, Shelayu Metum Tamot, mais à condition que ce ne soit pas, des amotes très justes. Donc c'est Sitfachim, mais des Sitfachim larges. C'est ce que dit Rabban Shimon ben Gamliel. Or, selon Abaye, c'est ce que disait déjà Tanakama. Qu'est-ce que Rabban Shimon ben Gamliel vient corriger Tanakama? C'est exactement ce que Tanakama disait. De Rabban Shimon ben Gamliel, j'entends, Miklal, de Tanakama, Kolamot Kamar, puisque Rabban Shimon ben Gamliel précise qu'il ne s'agit que des amotes de Kilaim, les amotes de Kilaim font Sitfachim, sous-entendu, selon Tanakama, toutes les amotes font Sitfachim. Et c'est là où il y a une machloket, que selon Tanakama, toutes les amotes, et selon Rabban Shimon ben Gamliel, ce ne sont que les amotes de Kilaim qui font Sitfachim, mais pas celles de Souka et Mavoy. Donc voilà ici une objection contre Abaye. Amalecha Abaye, là Abaye, il baisse la tête, il n'y a rien à faire. Velav miika Rabban Shimon ben Gamliel de Kai Kevati, n'est-ce pas qu'il y a Rabban Shimon qui pense comme moi? Anadamre ka Rabban Shimon ben Gamliel. Moi je dirais comme Rabban Shimon ben Gamliel, j'ai pas de problème. C'est-à-dire effectivement, c'est une machloket. Selon Tanakama, toutes les amotes font Sitfachim, aussi bien celle de Kilaim que même celle de Mavoy et de Souka. Moi Abaye qui dit que non, il y a des amotes qui font 5 Tfachim, je pense comme Rabban Shimon qui lui a dit, les amotes de Kilaim font Sitfachim. Donc sous-entendu, celles de Souka et de Mavoy ne font pas Sitfachim, elles n'en font que 5. Donc voilà, moi j'ai un Tana comme moi, je dirais comme lui, j'ai pas de problème. La Gemara maintenant, elle essaye de conclure un peu la chose, l'histoire. Les Abaye, Vadaï Tanaï. Selon Abaye, il n'y a pas le choix, il est clair que c'est une Machloket Tanaïm, il y a un Tana contre lui, qui est Tanakama, qui dit que toutes les amotes, elles font Sitfachim, contrairement à Abaye qui dit qu'il y a des amotes qui n'en font que 5. Les Rava, Milema Tanaï. Selon Rava, est-ce qu'on est obligé de dire que c'est une Machloket Tanaïm? C'est-à-dire, Rava lui dit toutes les amotes, elles font Sitfachim. Voilà ici Rabban Shimon qui dit, les amotes de Kilaïm font Sitfachim. Comment Rava va s'arranger avec les paroles de Rabban Shimon, qui dit les amotes de Kilaïm font Sitfachim? Alors que lui, Rava, il pense que toutes les amotes font Sitfachim. Donc voilà Rabban Shimon qui va contre lui. Est-ce que vraiment Rava, il dira, moi je pense comme Tanakama, j'ai Rabban Shimon contre moi? Amar lecha, Rava répond à Gemara. Non, Rava te dira, Rabban Shimon megamliel ha'ata l'ashmeinan. Voici ce que Rabban Shimon est venu nous apprendre. Amat kilaim lo etamtem. C'est-à-dire, Rabban Shimon, il est venu expliquer. Il est vrai que toutes les amotes font Sitfachim, comme ce que Tanakama a dit. Simplement, dans la mat kilaim, la mat de kilaim, qui fait Sitfachim, elle en fait 6. Mais large. Ubilvat sheleyu metumtamot, c'est les mots de Rabban Shimon qui disait elle fait sitfachim, mais attention que ce soit pas juste. Ça doit être bien des amotes de sitfachim larges. C'est ça ce que Rabban Shimon est venu préciser, ajouter sur Tanakama. Mais il est bien d'accord que toutes les amotes en général font sitfachim comme Rava. Demande à Gemara, mais si c'est comme ça, j'ai des mots en trop. Pourquoi est-ce qu'il précise? Pourquoi est-ce qu'il ajoute? Il répète les amotes de kilaim font sitfachim et sitfachim pas juste. Sitfachim large. C'était pas la peine de répéter qu'elles font Sitfachim. Ça, Tanakama déjà nous a appris. Toutes les amotes font Sitfachim. Il aurait suffi que Rabban Shimon nous dise, les amotes de Kilaim sont des amotes larges. Pourquoi me répéter que ça fait Sitfachim? Sous-entendu, il y en a d'autres qui n'en font que 5. Ce qui irait contre Rava. Or, Rava, maintenant, il essaye de s'arranger avec Rabban Shimon. Donc, c'est ce que demande la Gemara. Veleima amat Kilaim le etemtem. Il devrait dire que la ama, qui est citée dans les Kilaim, il faut pas la faire juste, il faut la faire large. Donc, Behama Batisha, les mots Utemaï. Que vient exclure les mots que c'est une ama de Sitfachim? Lave les mots Utemaï, Tsuka, Vamat, Mavoy. N'est-ce pas que ça vient exclure la ama d'une Tsuka et du Mavoy qui ferait 5 Tfachim comme Abaye et pas comme Rava? L'eau. Répond la Gemara, non. Ça vient exclure autre chose. C'est vrai que ça vient exclure quelque chose. Qu'est-ce que ça vient exclure? Rien à voir avec notre Sugia. C'est pas Tsuka, c'est pas Mavoy, c'est pas Kilaim. Il y a d'autres amotes. Toutes ces amotes-là, elles font Sitfachim. Il y en a d'autres qui n'en font que 5. De quoi s'agit-il? Les meoutés, ça vient exclure des amotes qui ne font que 5 tfachim, ou ça, ama yesod, ve ama sovev. Dans le misbéach, dans le grand misbéach qui était dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash, il y avait une ama qui servait en réalité, qui était la base du misbéach. Donc, la ama inférieure du misbéach, elle était plus large que le reste du misbéach. Ça dépassait d'une ama. Cette ama-là, ama yesod, cette ama-là, c'était une ama de 5 tfachim de hauteur. Les ama sovev, la ama du sovev, c'est-à-dire que quand on montait encore quelques amas dans le misbéach, il y avait encore une fois un genre de ceinture, une ceinture comme ça où le misbéach, il se rétrécit encore d'une ama. Et encore une fois, cette ama-là, elle faisait 5 tfachim de large. Dirtiv, comme il est dit dans Yechezkel.
Et la Gemara nous cite un passage dans Yechezkel, qui dit comme ça. Ve'ele midot ha-mizbeach. Voici les mesures du mizbeach. Be'amot, en amot ça se mesure. Ama, ama va tofach. Chaque ama est une ama d'une ama et un tefach. C'est-à-dire que les amots du mizbeach, qui seront cités ci-dessous tout de suite, sont des amots qui ne font que 5 tefachim. Et donc, pour compléter une ama classique, il faut ama plus tefach. Donc, ama, une ama classique, dans les amots du mizbeach, ça correspond à une ama plus un tefach, parce qu'elles ne font que 5 tefachim. Vechek ama, vechek ha'ama. Chek, c'est la base du mizbeach, le yesod, qui fait une ama, donc une ama de 5 tefachim, comme on a dit. Ve'ama rochav, et encore le sovev, qui est un peu plus haut que ça, donc je pense 3 amots au-dessus, ou plus peut-être, ce sont les 3 amots supérieurs au-dessus du sovev. Le reste entre le yesod et le sovev, il y a encore quelques amotes. Et après ça, le sovev, il rentre une ama. Là-bas, le misbeach, il est plus petit, plus étroit d'une ama de chaque côté, tout autour. Cet ama, à nouveau, c'est une ama de 5 tefachim. C'est ce qu'on appelle ici, ve'ama rochav. Ensuite, ou gvula el tfata saviv. Et gvula el tfata saviv, c'est les frontières tout autour. La Gemara va expliquer ensuite qu'il s'agit des kranot du misbeach, les cornes, les coins du misbeach. Il y avait 4 cubes dans les 4 coins du misbéar, qui s'appellent les kranot, les cornes du misbéar. À nouveau, ça faisait une amas sur une amas sur une amas. Et là, cette fois-ci, c'était encore une fois des amotes de 5 tfachim, des petites amotes. Ce qu'on appelle zeret ha'echad. Chaque keren, chaque coin du misbéar, faisait, chaque cube comme ça, il faisait zeret. Zeret, c'est une demi-amas. Depuis l'auriculaire jusqu'au pouce. Ça fait une demi-amas. Et en réalité, là, il faut compter depuis le milieu du keren. Si on compte depuis le milieu du keren, on aura jusqu'à chaque côté un zeret, une demi-ama. Donc en réalité, il fait une ama sur une ama sur une ama. Vezeg gava misbeach, et c'est ça d'ailleurs aussi le dos, donc le toit du misbeach. Agmar va expliquer tout de suite qu'il s'agit cette fois-ci du misbeach intérieur, le deuxième misbeach qui était dans le Echal, sur lequel on faisait les ktorets. Et lui aussi faisait une ama sur une ama tout entier, pas comme le grand misbeach. Et cette fois-ci, encore une fois, on dira que cet amas faisait une amas de 5 tfachim. Et là, la Gemara reprend le pasouk pour expliquer chose par chose. Donc, c'est comme on a dit. Chek ha'ama, ze yesod. Le début du pasouk, il disait chek ha'ama. Chek, c'est le yesod. La base du misbéar faisait une amas. Ve'ama rochav, ze sovev. La suite du pasouk, il disait encore une amas pour de largeur, c'est le sovev, qui faisait encore une fois une amas. Ou gvula el tfata saviv, ces frontières tout autour qui sont les kranot, et l'ouakranot, ce sont les kranot au coin du misbeach, sur le toit, sur le haut du misbeach, qui faisait aussi des amots de 5 tfachim. Vezeg gava misbeach, et enfin la quatrième chose qui faisait aussi des amots, une amot de 5 tfachim, c'était ze misbeach azav, c'est la taille du misbeach azav, le misbeach en or, qui faisait une amas sur une amas, qui était dans le echal, dans le batamigdash. Donc tout ça pour dire quoi? Que quand Rabban Shimon nous a dit la hama de Kilaim est une hama de Sid Fahim, mais pas précise, pas juste large, plutôt large, pourquoi il nous répète c'est une hama de Sid Fahim alors que selon Rava, toutes les hamas font Sid Fahim? Répond Rava, non, effectivement, les hamas de Mavoy et de Souka font Sid Fahim, c'est vrai. Simplement, Rabban Shimon, quand il est venu préciser, ajouter que ce sont des hamas de Sid Fahim, il est venu exclure les hamas du Misbéar, qui, certaines hamas du Misbéar qui m'étaient citées maintenant, elles ne faisaient que 5 Fahim. On continue aux 2 points. Amar Abri Abarashi Amarav. Shiurin, Chatitin ou Mechitin. Il y a ici 3 choses, 3 halachot, qui sont les shiurin, les quantités, Chatitin, les séparations. On verra ensuite, la Gemara va expliquer de quoi il s'agit. Quelqu'un qui se trempe au mikvé, son corps doit être propre, ou plutôt qu'il n'y ait pas de corps étranger qui sépare entre l'eau et son corps, qu'on appelle Chatita. Ou mechitin sont les barrières, les séparations. Alacha, le Moshe, mi Sinaï. Toutes ces alachot-là ont été transmises par Moshe à Sinaï. Elles ne sont pas écrites dans les psukim. Ça a été transmis par cœur. La Gemara demande. Donc la Gemara reprend maintenant une à une. Shiurin, les mesures, les quantités. Comment est-ce que tu dis que c'est Alacha, le Moshe, mi Sinaï? Deoraitaou. C'est écrit dans le pasuk. On a vu dans la paracha, Tekev, on a vu, paracha Tachavua, on a vu, Dirtiv, comme il est écrit. Eretritaou, Seora, Vegomer. Une terre de blé, d'orge, etc. D'Amar Avchanan,
Quoi la pasouk azel et shiuri neemar? Rav Hanan dit ce pasouk là vient nous apprendre les mesures de la Torah. Chita, le blé. Dechdetna, ça se rapporte sur la Mishnah qui dit, ça vient nous apprendre une halakha qui est citée dans une Mishnah. Une Mishnah qui dit, anichnas le bait amenuga. Celui qui rentre dans une maison lépreuse. Une maison avec des taches de tzara, de lèpre, une maison impure. Et celui qui y rentre, il devient lui-même tamé, impur, lui et ses vêtements. Simplement, il y a une différence entre deux situations. Il y a quelqu'un qui rentre habillé, ses vêtements deviennent tamés immédiatement quand il rentre, de même que lui devient tamé. Ou plutôt, non, on verra la différence entre quelqu'un en fait qui rentre un objet dans la maison, il devient immédiatement tamé, tandis que la personne elle-même ne devient pas immédiatement tamée. Il faut qu'il attende le temps de quoi manger quelque chose. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Anichnas le bait amenuga. Donc celui qui rentre dans cette maison-là, impur, vekelav al ktefav, et ses vêtements sont pliés sur ses épaules, vesandalav et abotav biadav, ses sandales et ses anneaux dans ses mains. Donc les sandales ne sont pas à ses pieds, les anneaux ne sont pas sur ses doigts, il les porte dans ses mains. Hu vehem tmein miyad. Lui devient tamé immédiatement parce qu'il est rentré dans la maison, et tous ceux qu'il a rentrés, toutes ces choses-là qu'il a rentrées aussi, deviennent tamés immédiatement. Par contre, aya lavush kelav, s'il était vêtu de ses vêtements, ve sandalav ve raglav, ses sandales à ses pieds, ve tabotav ve tabotav, ses anneaux à ses doigts, là, la touma de ses vêtements, elle n'arrive pas immédiatement. Elle n'arrive que un petit moment après qu'il rentre là-bas. Ou tamé miyad, lui, il est tamé immédiatement, c'est vrai. Ve en théorie, tandis que toutes ces choses-là sont encore pures, sont encore tahor. Jusqu'à ce qu'il reste là-bas dans la maison, le temps de quoi manger un demi-pain. Un demi-pain, c'est comme le volume de quatre œufs. Pâte, chitin, velopat, théorine. Un pain de blé, pas un pain d'orge, donc ça se mange plus facilement et donc plus rapidement. Mesev, quand il est bien accoudé, il est bien installé pour manger, à nouveau. Il mangera plus rapidement que s'il mange en marchant ou debout. Veochel beliftan, il mange ça avec quelque chose qui vient accompagner le pain. Et à nouveau, ça se mangera plus rapidement. Et ça, c'est justement ce que le pasouk vient nous apprendre par chita, le blé. Le blé, c'est-à-dire un pain de blé. Quand on a dit que les vêtements de celui, les vêtements qui sont vêtus sur la personne qui est rentrée dans cette maison-là, ne sont tamés que le temps, que s'il est resté là-bas, le temps de quoi manger un demi-pain, eh bien là-bas, il s'agit d'un pain de blé. Un pain de farine de blé qui se mange plus rapidement. Donc, en réalité, ce mot chita du pasouk fait allusion justement à cette halakha. Ne me dis pas que c'est halakha la Moshe Mishinaï. Seora, l'orge. La Torah ici vient nous apprendre encore une fois une halakha. Une halakha, donc à nouveau de shiurim, de mesures, de quantité, d'etnan, comme on a dans une autre Mishnah encore, Mishnah dans Haolot, qui parle, donc Maseret Haolot qui traite la touma des morts, pour les morts, et la Mishnah nous dit comme ça. Etsem kaseora, un petit os. Comme de l'orge, metame bemagaouv massa. Il rend tamé en le touchant ou en le portant, donc en le portant même sans le toucher, en le portant dans un sachet, en le portant dans une assiette, dans un récipient, ça le rend tamé. Venom metame beol. Mais ce petit os ne rend pas tamé toute la pièce, toute la tente. Donc voilà pourquoi la Torah nous a dit orge, pour nous faire allusion, pour nous apprendre cette halakha. À nouveau, c'est pas halakha la Moshe Mishinaï, c'est une mesure, donc une taille d'os, de touma, qui est citée dans le pasouk, de l'orge. On continue. Geffen, quand la Torah nous dit, elle nous cite dans les fruits des restes d'Israël, la vigne, le raisin, ça vient nous apprendre qu'il y a des revitiens des nazirs. C'est-à-dire qu'un nazir, quelqu'un qui a fait un vœu de ne pas boire du vin, c'est un nazir, entre autres. Maintenant, dès qu'il a bu un revit, donc c'est comme un verre de kidouche, de vin, il est chayav malkout, il faut le frapper. Il faut lui donner 39 coups. Et donc à nouveau, voilà pourquoi la Torah nous a cité le raisin, pour nous dire que s'il a bu un revit de vin, eh bien, il est chayav malkout. Il y a d'autres explications que Rashi. Ça c'est l'explication de Rashi ici. Rashi ailleurs donne d'autres explications qui sont citées ici dans Tosfot. On tourne la page. Téna, la figue, kegrogeret l'otza shabbat. Ça fait allusion à la lacha de quelqu'un qui a porté pendant shabbat un aliment. S'il a porté un aliment de la taille, donc du volume, d'une figue, il est chayav. Il a porté du pain, une tranche de pain. Il faut vérifier si c'est le volume d'une figue. Il est chayav. Donc voilà encore une fois des mesures de Shabbat
qui sont mentionnées ici dans le passou, comme la figue. Rimon, grenade, kedetnan, comme une mishnah dans la sechet kelim, qui dit, kol kleba le batim, shiuran kerimonim. Tous les récipients des balébatim, qui sont pas des gens de travail, c'est pas des artisans, c'est pas des gens de commerce, c'est des gens qui, il est propriétaire de sa maison, des gens qui habitent, des gens normaux. Leur récipient, shiuran, leur taille, c'est-à-dire si le récipient il s'est cassé, qu'il y a un trou dans le récipient, et que ce trou-là, il est tellement grand que même les grenades, elles vont tomber par là-bas, eh bien, ce récipient dorénavant, il est tahor parce que il ne contient plus rien d'important. Donc, shiuran kerimonim. Et à nouveau, une mesure qui a été ici mentionnée dans le pasouk, la grenade. Eretz Shemen, une terre d'olive d'huile. Eretz Shekol Shiura Kazetim. C'est une terre dont toutes les mesures qui sont données, elles sont comme des olives. Kazaït. Demande à Gemara Kol Shiura Salkadazar. Est-ce que vraiment on va monter à ton esprit de dire que toutes les mesures sont comme une olive? On sait bien. Vaïka Ané Damaran. Voici toutes celles qui ont été citées jusqu'à présent, qui ne font pas comme une olive. Elaema Eretz Shirov Shiura Kazetim. Répond à Gemara, il faut dire. Une terre dont la majorité de ses shiurim, c'est kazaït. On sait bien kazaït, kazaït, kazaït. Kazaït pour la mata, kazaït pour le maror, kazaït celui qui a mangé quelque chose interdit, un kazaït, il est chayav, et ainsi de suite. Donc kazaït, c'est en général la mesure la plus classique, et c'est ça ce que la Torah nous répète en disant eretz zeit. Une terre d'olive. On parle toujours d'olive. Et enfin, dvash, le miel. Qu'est-ce que c'est que le miel? Évidemment, c'est pas un miel d'abeille. Le miel, c'est un miel de la terre. Donc c'est les dattes. Quelle est la mesure qui dépend des dates? Kekotev et Agassal Yom Kippourim. Celui qui mange pendant Yom Kippour. Cette fois-ci, pas un kazaït. Donc, celui qui mange Kippour, on ne parle plus de kazaït là-bas pour Kippour. Parce que la Torah n'a pas parlé de manger. La Torah n'a pas interdit de manger Kippour. La Torah ordonnait de se faire souffrir Kippour en se retenant de manger. Mais la Torah n'a pas dit, elle n'a pas employé le terme de achila. Si la Torah avait dit ne mange pas, manger est égal kazaït, comme une olive. Puisque la Torah n'a pas dit ça, elle a dit tu dois souffrir, t'es à nous et nafshotechem, vous devez faire souffrir vos âmes le jour de Kippour. La souffrance ne dépend pas de ce qui est appelé manger, elle dépend de ce qu'un homme, à partir de combien, de quelle quantité, un homme sent que sa faim s'est apaisée. Et là, cette fois-ci, la quantité n'est pas un kazaït, elle est kakotevet, comme une grosse date. Kakotevet agassal yom kippour, comme une grosse date le jour de Kippour, c'est ça la mesure qui a été donnée. Donc maintenant, voilà ici un pasouk qui nous apprend beaucoup de halachot, de shiurim. Ne me dis pas que c'est halachot de Moshe Mishinaï, c'était transmis par cœur, c'est cité dans le pasouk, c'est mentionné dans le pasouk, on a des drachot sur ce pasouk. Réponds à la Gemara, Veti, c'est vrai, est-ce que vraiment tu penses comme ça? Shiurim mirtav ktive, est-ce que la Torah, elle nous a cité toutes ces halachot? Qu'est-ce qu'elle a dit? La Torah, elle vient louer Eretz Israël par ses beaux fruits. Elle a rien dit de plus que ça. Où est-ce qu'elle a parlé ici de toutes ces halachot qui ont été citées ici? Et là, il chétaninu. Donc, tu dois dire que non, ce sont toutes des halachot qui ont été citées par cœur. Vasmechinu rabbanan akire. Simplement, les chachamim les ont appuyés sur ce pasouk-là. Mais en réalité, c'est pas d'ici qu'on les apprend. Comme on a dit, ça sort pas du pasouk. Ça rentre peut-être dans le pasouk. Même pas, ça rentre. Le pasouk, il nous sert que de référence ou de signe pour se rappeler quels sont, c'est un appui, en fait. C'est un appui pour se souvenir d'halachot des shiurim qui ont été transmises en réalité par cœur par Moshe. Donc, voilà. Que la Gemara maintient ce qu'on a dit, les shiurim, tous les shiurim ont été donnés à la Chalé Moshe Mishinaï. Chatitin, deuxièmement dit la Gemara. On a vu la deuxième chose qui est à la Chalé Moshe Mishinaï, ce sont les chatitot. Demande la Gemara à nouveau, Deora et Taninu. On l'apprend du pasouk. Dirtiv, il est écrit dans le pasouk. Verachat et Kol Besaro, il devra baigner tout son corps dans l'eau. Chez l'œil d'Ava Chotet ben Besaro la même. Il faut qu'il n'y ait rien qui sépare entre eux. Son corps et sa peau, donc, et l'eau. La suite du pasouk dit Bamaim, donc Kol Besaro Bamaim, il faut que son corps entier rentre dans l'eau, Bemeim Mikve, dans de l'eau de Mikve, donc dans un lot de l'eau qui est l'eau de pluie qui a été réunie dans un puits. Kol Besaro, toute sa chair, c'est écrit dans le pasouk, Kol Besaro, donc tout son corps doit rentrer dans l'eau, Maim chez Kol Gufo Aleben, ça vient nous apprendre la quantité d'eau qu'il faut pour le Mikve. C'est une quantité d'eau dont son corps entier peut rentrer dedans, peut se tremper dedans. Zekamen, combien c'est? Et là, voyons ici la taille d'un mikvé, minimum, ama alama berum shalosh amot. Un homme peut se tremper dans un mikvé
qui fait sa taille. Donc une amas sur une amas, sur trois amas de haut. Ça, c'est le volume de mikvé. Mais chez Eru Chachamim et mikvé, Arbaim Sea. Les Chachamim ont évalué que l'eau de mikvé, c'est une quantité, une taille, un volume de 40 Sea. 40 Sea, c'est un mikvé. Mikvé, toujours, c'est Arbaim Sea. 40 Sea. Donc voilà ici un pasouk duquel on apprend. Les Chatisot, on a dit qu'il faut qu'il n'y ait rien qui sépare entre l'eau et son corps. Donc c'est pas une halakha le Moshe Misinaï, répond la Gemara. Kit tarich ilcheta, l'halakha, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Les Searo pour ses cheveux. Donc des Rabba Baravuna. Comme ce qu'a dit Rabba Baravuna, Damar Rabba Baravuna, Nima Achat Kshura Chotetet. S'il y a un cheveu qui est noué, il y a un nœud dans un cheveu sur lui-même, c'est Chotet parce que l'eau ne peut pas pénétrer à l'endroit du nœud. Shalosh, s'il y a trois cheveux qui sont noués ensemble, Enan Chotetot, il n'y a pas de Ratita parce que le nœud n'est pas si serré que ça, l'eau peut pénétrer. Shtaim en Yodea, deux cheveux, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'eau peut pénétrer et qu'il n'y a pas de Ratita ou non. Ou elle ne peut pas pénétrer, c'est une Ratita. Donc cette halakha là qui concerne les cheveux, qu'il faut que les cheveux touchent directement, tous les cheveux directement touchent l'eau et qu'il n'y ait pas de problème, il n'y ait pas de nœud, il n'y ait pas de séparation de Ratitot, c'est ça ce qu'on apprend de la halakha la Moshe Misinaï et pas des psukim. La Gemara refuse cette réponse là aussi en disant. C'est Aaron ami de Oraïtaou. Même les cheveux, on apprend des psukim. Des Tania, comme on voit dans une braïta. On apprend du pasouk qui dit, Vachat et kol besaro. Le mot et, donc, il va tremper tout son corps. Pourquoi le mot et? Et, hatafali besaro. Ce qui est accessoire à son corps a été inclus par le mot et. Vezeu sear, ça fait allusion aux cheveux. Les cheveux aussi doivent être tout entiers dans l'eau. Sans chatita. Donc voilà qu'on apprend du pasouk et pas du nalacha. C'est pas l'alacha le Moshe Misinaï. Répond la Gemara. Qui a taïl cheta, pour quelle raison j'ai besoin de l'alacha, le rubo ou le miuto, ou le makpid, ou le shen makpid. Ça se rapporte sur l'alacha qui vient faire la différence entre la majorité et la minorité, entre s'il est makpid, c'est-à-dire s'il est gêné par la chatita ou pas. Donc, de Rabbi Yitzhak, la Gemara s'explique, de Amar Rabbi Yitzhak, Dvar Torah, rubo ou makpid à la chotet. Mina Torah, qu'est-ce qui est considéré comme une chatita? C'est que si ça couvre la majorité de son corps ou de ses cheveux, et que, deuxièmement, il est makpid, ça le gêne. Il est gêné par ça, il veut l'enlever. Cette ratita-là, donc ce corps étranger, cette saleté, cette chose-là, qui le gêne, pas forcément une saleté, en tout cas, s'il est gêné par ça, par la présence de cette chose-là, c'est chotet. C'est-à-dire, ça gêne le mikvé. Vesheno makpid alav, si par contre, il n'est pas dérangé par cette chose-là, même si ça couvre la majorité de son corps ou de ses cheveux, et non chotet, ce n'est pas chatita minatora. Donc minatora, il faut deux conditions pour que ce soit chatita. Rubo ou makpid. La majorité et que ça le dérange. Sont venus les chachamim et ont dit, les gazrois, le rubo, shena makpid, mishum rubo makpid, ils ont décrété que ce soit considéré comme une chatita, la majorité, même s'il n'est pas makpid, il n'est pas gêné. Si la chatita, elle couvre la majorité de son corps ou de ses cheveux, ça sera une chatita. Mishum rubo makpid, de peur qu'il en arrive à une majorité sur laquelle il est makpid, ce qui est minatora. Donc s'il est gêné et que c'est un rov, c'est minatora. Donc les chachamim ont dit tout ce qui est majorité, même s'il n'est pas makpid, c'est chotet, midrabanan. Deuxièmement, ils ont décrété aussi ve'al miuto makpid, mishum rubo makpid. Ils ont dit que même si ce n'est qu'une minorité, mais puisqu'il est gêné par ça, ils ont une bague, une femme qui se trempe avec une bague. Cette bague-là, elle a l'habitude de l'enlever quand elle pétrit ou pour d'autres raisons. Donc cette bague-là, si elle est bien serrée sur le doigt, elle gêne, doit rentrer là-bas. Et donc c'est une chatitza. Pourquoi? Malgré que ce n'est qu'une minorité. Minatora, c'est pas chotet. Midrabanan, c'est chotet. Pourquoi? Mishum rubo makpid. Puisqu'elle est gênée par ça. Alors les chachamim ont dit, ah, on touche ici le problème de gêne. Là, le problème de gêne est, se rapproche déjà d'un deoraita. S'il y avait un rov, ça serait déjà devenu un deoraita. Ça serait une chatitza minatora. Donc même s'il n'y a pas un rov, ça sera quand même une chatita midrabanan. Demande à Gemara, Velik Zornami, les chachamim devraient décréter aussi, al miuto sheno makpid. Ils devraient décréter que même dans le cas où ce n'est qu'un miout, une minorité, et même s'il n'est pas makpid, on devrait dire que c'est quand même une chatita. Pourquoi? Mishu miuto makpid. De peur qu'il va se tremper un autre jour avec une petite chatita sur laquelle il est makpid, il est gêné. Inami ou bien, mishum rubo sheno makpid. De peur qu'il se trempe avec une majorité, ou là, même s'il n'est pas makpid, c'est une chatita. Donc il devrait dire que même dans le cas où il n'y a ni un rov ni makpid, ça devrait être une chatita. Répond la Gemara, Yigufa gzera.
cette chose-là elle-même est une xéra. Ce n'est que des rabbanan dans le cas où il y a un rov sans makpid ou makpid sans rov. Ve'ana nikum ve'nigzor xéra l'xéra. Et nous, on va se lever et on va faire une xéra pour une xéra, un décret pour un décret. On va dire que même si ce n'est qu'une minorité et même s'il n'est pas makpid, on va dire que c'est rotet de peur qu'il va en arriver avec un rov sans makpid ou un makpid sans rov. Pourtant, cette chose-là, elle n'est qu'une xéra, c'est que des rabbanan. Donc, c'est pas la peine d'aller tellement loin. On ne fait pas cette xéra dessus. Donc, finalement, voilà maintenant la halakha de Moshe Misinaï qui vient nous apprendre qu'une khatita est dans le cas où il y a un rov plus makpid. Ça, c'est une khatita. S'il n'y a que rov ou que makpid, c'est chotet midrabanan. S'il n'y a ni rov ni makpid, midrabanan, c'est pas chotet. Mais a priori, on fait attention à ça aussi, de se débarrasser de toutes ces choses-là, même si ce n'est que un mi-out qui n'est pas makpid, mais cependant, c'est pas chotet vediavat. Si on s'est trempé avec, le mikvé est bon. On continue maintenant. Mechitot. La troisième chose qui a été apprise par la Halakha Moshe Misinaï, c'est Mechitot, les séparations, les barrières. Et à nouveau, demande à Gemara, Deora Itaninu. Ça aussi, c'est Minatora. De Amarmar, comme on voit que, on apprend des psukim, on apprend que dit Fahim, c'est une Mechita. Une Mechita fait dit Fahim toujours. Donc, il ne s'agit pas ici d'une Mechita entre les hommes et les femmes, qui sert plutôt à cacher de l'œil la vue des femmes. Et pas pour séparer la pièce en deux. C'est pas ça ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de garder le regard, surveiller le regard des hommes. Et donc ici, il faudra que la mérita entre les hommes et les femmes soit suffisamment haute. Par contre, les méritotes qui servent à avoir un statut de séparation pour partager une pièce en deux, ou bien, par exemple, la mérita tout autour d'une souka, il faut qu'elle ait trois murs. Qu'est-ce que c'est un mur? Dit Fahim. Et ça, c'est une halakha de Moshe Misinaï. La Gemara demande, mais non, on apprend du pasuk, on apprend de la Torah. D'Amarmar. Comme on voit dans une breta qui dit, Aaron tisha vekapor et tefach, avec un asar. On apprend du fait que le Aaron, dans le Kodesh HaKodashim, il faisait 9 fachim de haut plus, kaporet, c'était le couvercle du Aaron, dans lequel se trouvaient donc les louchot. Et, elle faisait un tefar, ça fait 9 plus 1, dit fachim. Dit fachim, et on considère ça comme un autre domaine. Au-dessus de ces dit fachim, c'est un autre domaine. La shrina, elle se pose, la résidence divine, elle se pose sur le haron entre les kourouvim. Et malgré qu'on sait par ailleurs que la shrina ne descend pas sur terre. Donc on voit que les dit fachim en question fait une séparation. C'est un autre domaine. Dit fachim, c'est une mechita. Donc, revient la question, c'est pas à la chale Moshe Misinaï, on la prend de la Torah, répond la Gemara. L'otricha le Rabbi Yehuda. On en a besoin. Selon Rabbi Yehuda de Amar qui dit, Amat binyan al-Bama Batisha. Rabbi Yehuda dit en général, toutes les amotes qui sont des amotes de construction, les murs, tout ça sont des amotes de Sitfahim. Amat Kelim, par contre, les amotes qui ont été citées à propos des objets qui sont posés dans le Bet Hamikdash, comme le Aaron, comme d'autres choses, sont des petites amotes, Bama Batramisha. Sont des petites amotes de 5 tfachim uniquement. Donc finalement, le Aaron qui faisait une amma et demie de hauteur, c'était pas une amma et demie qui arrivait finalement à 9 tfachim, c'était une amma et demie plus petite qui faisait que 7 tfachim et demi, plus la caporette en tefar, ça faisait 8 tfachim et demi, on n'est pas arrivé au 10. Donc ça sera pas notre référence pour trouver qu'une mechita fait 10 tfachim de haut. Selon Rabbi Yehuda, effectivement, ça sera une halakha le Moshe Misinaï. Demande la Gemara de Rabbi Meir de Amar kol amot ayu benoniyot. Maïk al-Emar, selon Rabbi Meir qui dit que toutes les amotes étaient des amotes classiques de 6 tfachim, qu'est-ce qu'on dira ici? Si ce sont des amotes de Sitfahim, alors revient la question. Le Aaron faisait une amma et demie, donc 9 Tfahim plus un tefar de caporet, de couvercle. Ça faisait en tout Sitfahim, donc on peut l'apprendre des psuk de la Torah déjà, on n'a pas besoin d'une halakha le Moshe Misinaï. Répond la Gemara, le Rabbi Meir qui atta il cheta. Selon Rabbi Meir, pourquoi est-ce qu'est venue la halakha? Elle est venue pourquoi? Les goud ou les lavoud ou les dofen akuma. Ça vient nous apprendre d'autres halakhot dans la Mechitzot qui s'appellent goud, lavoud et dofen akuma, c'est-à-dire goud. C'est ce qui est accessoire, ce qui se rajoute sur quelque chose. On sait bien, non pardon, je me suis trompé, ça c'est la voud. Goud, on a un principe qui dit goud asik, goud achit. Goud asik, ça veut dire une barrière qui ne va pas tellement haut, elle ne va pas jusque là où j'ai besoin. Si elle a la taille d'une barrière, je pourrais dire goud asik, tu tires, tu fais monter la barrière, tu considères comme si ça montait jusque là où tu avais besoin. Donc si par exemple le srach, il est bien au-dessus des murs de la Asuka, les murs qui font dit Fahim, c'est suffisant. Après, il s'arrête. Le srach qui est bien plus haut que ça,
c'est pas grave, y a pas de problème. On dira goudazik, tu tires le mur comme s'il montait jusqu'au trar, c'est pas grave. Ou bien, des fois, on a goudachit, on a le contraire, des fois, il faut baisser. Ça, c'est goud. Ça, c'est alakha la moshe misinaï, on l'apprend d'aucun pasouk. Deuxièmement, l'avoud. L'avoud, c'est-à-dire que quelque chose qui est proche de trois tfachim du reste, je néglige l'espace, je considère comme si ça s'ajoutait, ça se collait au reste, à l'essentiel. À nouveau, c'est à la Halakha Moshe Mishinaï. L'exemple dans la voûte, par exemple, c'est une mechitza, donc un mur, qui n'arrive pas jusqu'au sol. Plutôt, il commence pas depuis le sol, vraiment. Il est un peu suspendu. Tant qu'il est ça commence dans les trois tfachim, je considère comme si ça commençait depuis le sol, et tu peux ajouter là-dessus 7 tfachim et demi pour arriver au 10 tfachim du mur pour en faire une vraie mechitza, une vraie séparation. Donc, à nouveau, l'histoire ici, elle est la voûte. Je considère comme si c'était attaché jusqu'au sol. Et enfin, ou le dofen akuma. La troisième chose, c'est dofen akuma. On l'a vu hier aussi déjà. Dofen akuma, c'est donc un srach qui est au milieu du toit. Il est éloigné donc des murs de la souka. On dira que s'il n'est pas éloigné de 4 amot, je peux considérer le plafond à côté du srach comme si c'était une partie du mur. Et donc, ça s'appellera que le srach arrive jusqu'au mur. Plutôt, les murs, ils sont les murs de la souka. Jusqu'à 4 amot, de loin, si c'est couvert, donc s'il y a un plafond couvert, pas de l'air, si c'est donc à côté d'un plafond, la souka, elle n'arrive pas en fait jusqu'au mur vraiment. Alors, jusqu'à 4 amot, je peux considérer comme si le mur, il est penché. Plus que ça, non. Cette halakha là, c'est ça l'halakha la Moshe Mishinaï qu'on a vu, donc sur laquelle on a dit que Mechitzin, halakha la Moshe Mishinaï. Donc toutes les mesures, toutes les halakhot de barrières, de Mechitzot, sont halakha la Moshe Mishinaï, ça fait allusion à ces trois halakhot là, comme Goud, Lavoud et Dofen Akuma. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.